Et salut tout le monde, c'est Drakkane. On se retrouve pour une troisième partie de live sur Monster Hunter World. Toujours en espérant que tout marche, mais bon, on a l'air de me dire que ce qu'on a fait, ça a l'air de provoquer du mieux. Donc, c'est que c'est pas encore totalement mort. C'est déjà pas mal. Bon, la quête veut qu'on aille parler au commandant, donc on va retourner parler au commandant. C'est parti! Félicitations. Ouais, je sais, on a sécurisé le camp. La chasse au Pouki est maintenant ouverte. Le Pouki! Une fois que tu l'auras chassé, les érudits pourront se pencher et sur ce que tu as vu dans la forêt. Nous devons impérativement neutraliser ce Pouki! On recherche sur le Zora Magdaro sans défendre. Bonne chance et sois prudente. Ouais, c'est parti! Toi, qu'est-ce que tu me dis? Ouais, tout se passe bien. Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai pas besoin de fusée de détresse pour le moment. Non, non, mais t'inquiète pour moi. Hein. T'inquiète, t'inquiète, tout ira bien. Hein. Je suis pas encore à ce point. Le stream de Monster Hunter est sponsorisé par le lobby des produits laitiers. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas fait en sorte que les produits laitiers soient cités, non? J'ai rien fait. On m'a rien dit, moi. C'est quoi ce bazar? Voilà. Forge. Améliore-moi mon équipement. Fais des choses à mes armes. Voilà. Oh. Oh, on peut déjà passer ça. Là, c'est quoi? J'ai quoi? J'ai fiole de force. Là, j'ai fiole de fatigue. Ah là là. Ah là 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 là. Umbrus, je vais copieusement t'ignorer. Qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux attendre d'avoir un autre minerai et on l'a fait en troisième comme ça ou on l'a fait en grange à grâce en mode je fatigue les gens? Selon vous, qu'est-ce qui est le mieux? Ça fatigue le mob. Ouais, mais ça peut le fatiguer au point de l'endormir ou ça fait juste ça le rend un peu plus lent? Ça fait quoi en fait? J'ai jamais vraiment utilisé ça donc je sais pas. Je sais pas, moi on m'a rien expliqué. Minerai 3 est plus optique. Ouais, mais enfin pour minerai 3 il faut trouver le troisième minerai. Et pour le moment n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'il est peut-être encore dans une zone différente. Bon, on va déjà laisser l'arme comme ça, on verra après. Ça baisse son attaque. Oh ouais, donc non, c'est pas si OP que ça pour jouer quand on joue en solo comme ça. Bon. Ah toi, tu vas me donner une quête, c'est ça? Ça bosse dur? Ouais ouais, ça bosse, pendant que d'autres bouffent. Bonne chance. Y'en a qui font le taf! Oui, je sais que tu peux toujours... Voilà. Je sais que tu peux toujours rollback, mais ça coûte des choses de rollback. J'ai pas envie de payer plus que nécessaire. Bon. La chasse au Pouki! Le Pouki! Bon, on laisse en normal et on verra pour la prochaine fois. Pour le moment, surprise du chef. Donne-moi la bouffe. Oh, le délice. Oh. La petite herbe qui fait tout. Oh. Du poisson, de la viande et du fromage. On est prêt. Allez, YOLO STRAT! Ouais, la petite herbe qui est pas sur le plat, c'est elle qui fait tout, mais elle est quand même pas dessus. Oh! Juste. Artisanat. Mets-moi les premiers soins plus en auto. Voilà. Ça les fera aussi. C'est bien qu'il y avait quelque chose de bizarre, je les voyais pas apparaître depuis le début. Bon. On a mangé. Il nous reste plus qu'à fouiller. Et trouver le Pouki. Le Pouki.
Les champignons. Pas obligé de te jeter par terre, tu le sais, hein. Gotcha. J'attrape des insectes, c'est ma passion dans la vie. Je vais pas chasser des monstres. Si, mais les insectes, c'est mignon. C'est à peu près le seul truc mignon dans ce jeu, c'est les insectes. Non, c'est juste qu'on chasse un monstre qui s'appelle le Pouki. Non, je hurle le Pouki. Sauterelle. J'attrape des choses. Arrête de capturer des pauvres bêtes qu'on vient de... Ouh. Ouais, j'ai eu un gros piaf. C'est quoi ton objectif dans la vie? Réguler l'écosystème. Ah ouais, donc toi tu régules en capturant tout ce qui passe sur la main. Ah ouais. Ah ah, de vieilles empreintes. Mais elles n'ont pas l'air de correspondre. Ah bah tiens. Je pense qu'on a trouvé notre objectif. C'est déjà pas mal. Attends, je fais comme si je t'avais pas vu. Oh mon dieu, un monstre. Chargé! Non mais sérieusement, mais... Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Mettez-vous sur la trône et foutez-moi la paix. Ah l'enfoiré, il s'est barré, il m'a laissé dans la mouise. Saloperie de piaf. Saloperie de piaf. La fuite. La fuite. La fuite. La fuite. La fuite. Bon, je suis pas parti dans la bonne direction, mais c'est fait. Run for your life! Il y a un Anjanath dans les parages. Non, sérieux! Le Pouki! Le Pouki! Pouki-ki! Pouki-ki le Pouki! Mais c'est pas vrai, c'est la fiesta en fait ici. C'est quoi, c'est... Aujourd'hui c'est la sortie, c'est ça? Tout le monde est de sortie? Portes ouvertes dans la forêt, c'est parti. Oh. T'as mis les pieds dans les dents, ça fait pas du bien.
Ouch. Les genoux. Oula. Merci le gros freeze. Merci le gros freeze qui fait que j'ai rien vu ce qui s'est passé. C'était parfait. Non mais même sans parler de l'attaque, t'as vu le gros bug qu'il y a eu? Tu as méga freeze. Et pourquoi le chat il s'appelle Ati? Parce que c'est le nom de mon chat et que je l'ai fait un peu comme mon chat, noir à poils longs. Voilà. Aussi simple que ça. Oh toi digère et fiche-moi la paix. Voilà. Oh le Pouquet qui est parti mais à l'autre bout du monde. Il te suffit de sélectionner un camp sur la carte pour t'y rendre instantanément. Voilà. Ce que je veux c'est frapper du Pouquet. Kiki le Pouquet. Pouquet le Pouquet. Pouquet le Pouquet. Chargé! Cut-moi cette queue! Je vais récupérer tes membres! Oh là! Ah là! C'est si compliqué de vouloir mourir en paix! Lâche! Oh putain! Barrez-vous! 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 Barrez-vous, l'Anjanat arrive! Barrez-vous, l'Anjanat arrive! Clairement, vous allez voir que l'Anjanat il va venir ici, juste dans cet endroit précis! Hop là! Je tape dans le micro maintenant. Ok! Pouki le Pouki! Eh non, j'ai pas de truc sur moi. J'aurais bien fait tomber, mais j'ai pas pensé à récupérer des. Oui. Alors, par contre c'est pas que à chaque fois qu'il va y avoir une grosse attaque le fait d'avoir un lag va m'énerver, mais le fait d'avoir un gros lag à chaque fois qu'il y a une attaque ça va m'énerver. Je fais gaffe à l'Anjanat qui est de l'autre côté. Eh hey, viens mon gros, viens, viens par là. Tiens, le monstre se piège. Frappe-le de toutes tes forces.
Non, non. Je viens de ranger et de faire ce que je te demande. Mais maintenant, il y a les Jagras qui s'y mettent. La fiesta. 1, 2, 3, 4. Regarde, le monstre est très affaibli. Il va sûrement se réfugier dans son nid pour recouvrer ses forces. Allez, c'est par où que tu pars. Vas-y, montre-moi la route, je te suis. Sauf si c'est un sac de cul, forcément, ça passera pas. N'empêche, vu que le poison baisse progressivement la vie, est-ce que ça veut dire que l'antidote est un antidote? Ah non, mais là, Umbrus, t'es allé la chercher loin, celle-là. Même moi, là, je te suis pas. Hein. Là, même pour moi, non, là, c'est trop. Même pour moi, c'est beaucoup trop. Parlez-vous, les Jagras. Ou la grosse couille. Je suis paumé dans la main. Ah. Alors, je suis où, moi? Si. Moi, je sais qu'il faut que je prenne par là pour ensuite tomber. Ça pourrait être utile. À un moment ou un autre, sûrement. Faites comme si vous ne m'aviez pas vu. Ça devrait pas être compliqué. Vu comment je suis mauvais, je devrais disparaître rapidement. Ah, ok. Ok, je suis sûr qu'il y a un moyen de des. Oh, j'ai vu qu'il me fallait du Mosswine à un moment. J'ai eu une quête où il me fallait du Mosswine. Gauche, nous, le roi de bon goût, comme on l'aime chez nous. Point, point. Génial, peau de Mosswine, c'est exactement ce qu'il me fallait. Bon, comment on descend déjà? Je sais qu'il y a moyen de descendre dans le coin. Ah voilà, moyen de descendre, il est là. Ok. Merci le lock hein, qui fait un peu tout et n'importe quoi. Merci, voilà. C'est maintenant ou jamais. Vite, il ne faut pas te faire revenir. Moi qui s'énerve de nouveau. Non mais stop la fiesta au bout d'un moment. C'est trop demandé de juste combattre les monstres que je suis censé combattre. Au secours. Sûr qu'il va venir dans cette direction.
Bien sûr qu'il va venir. Et de l'autre côté, il y a le jackass. Oh, bordel de fût. Je suis tellement pas gâté. Ouais, bah. Oui, ah, le petit merdi qui vient. Ça réussit. Le commandant va pouvoir envoyer quelqu'un pour examiner ce rocher. Voilà. De la qualité, mesdames et messieurs, la qualité. Oh mon dieu. Le GG du cul, ah non mais là je le mérite le cul. Oh mon dieu. Le jeu qui est dans la bestialité, la férocité la plus totale, il m'envoie tout ce qu'il trouve. Tiens. Crame, saloperie. Brûle. Voilà. Je brûle les cadavres. Brûle. Là, donne-moi tout ton barda. Donne-moi ça. Voilà, voilà, voilà. Merci. Le Pookie ! C'est fait. Félicitations. Au travail. Merci de t'être chargé du Pookie ! Je savais que je pouvais compter sur toi. En d'autres temps. Entre temps, d'autres traces provenant du sûrement du Zora Magdaros ont été découvertes. Afin que nos érudits puissent mener leurs investigations, j'aimerais que la 5ème flotte assure leur protection. Je confie la responsabilité du désert des termites. La quête débutera une fois que tu seras sur place. Parfait. Bon, la prochaine région. Temps d'en apprendre plus sur le Zora Magdaros. Assure-toi de savoir ce que tu as à faire. Ouais, je sais. On a déjà... ordre de protéger les érudits. On se retrouve au désert des termites. Ouais, donne-moi des quêtes. Voilà. Le désert des termites. Monsieur, bonjour. Voilà. Ah, alors les contrats. Là, les quêtes annexes, c'est fait. Livraison. Voilà, il fallait que je vous donne ça. Prenez le steak. Prenez la peau de Mosswine. Compléter deux quêtes événements, deux monstres spécifiques Diablos, des requêtes spéciales. Ouais, parfait, je peux pas faire. Bon. Mon arme, est-ce que je peux faire quelque chose maintenant qu'on a affronté le Poké? Umbrus, je vais devoir malheureusement continuer de copieusement t'ignorer, hein, malheureusement pour toi. Il faut arrêter avec les blagues, Umbrus. Vraiment, d'un moment, ça suffit. Parce que moi je t'ignore, mais je crois que Milo il va te frapper. Alors attention. Le Poké, ça n'a rien apporté. Il faut des cristaux de terre. Alors, on va trouver ça dans la prochaine zone. Ah. Oh là. Oh là. Oula, les gars, ah, déjà est-ce que je peux changer d'équipement aussi? Parce qu'on n'y a pas pensé une seule seconde ça à changer l'équipement.
Forge-moi une armure. Voilà, mine de rien, on récupère des trucs et on regarde rien. On fait tout YOLO et on m'arrête pas, on me laisse faire n'importe quoi. Ok. Attends, je le banne. Carnassier, intimidation. Palico, ok. Gamme est vaincu. Oh. Vraiment, tu fais plus de DPS que le poison, donc ouais, pas génial. Ouais. Bah, ça augmente la durée des effets de certains objets. La résistance contre le poison. Bon. J'aimerais choper la tenue de gala, faudrait que j'ai du bol pour ça. Roi de la glisse, affinité. Augmente l'affinité après une glissade. Ah. Pas bête. La tenue de gala est géniale. Non, mais je pense bien, mais il faut juste des os de monstre que je ne sais pas où le choper en fait. Pour le moment. Hop, donc ça. Tac, du coup, on va mettre afflux. Là, la machine de guerre, attaque plus 3. Enfin, j'ai quoi? J'ai intimidation. Décourage les monstres si vous attaquez, si vous êtes repéré. Métabolisme, vitesse de récupération d'endurance plus 10%. Oh, ça c'est intéressant, mais il y a des. Là, je pense que le mieux. Ouais, je pense que le mieux c'est celle-là pour frapper plus fort. Ensuite, donc les mélodies, on s'en fout un peu. Allez, ça là, c'est quoi? Jamais vaincu, c'est pas utile parce que voilà. Au mieux, plutôt celle-là. Oui! Et ensuite, on a quoi? Roi du barbecue, entomologie, c'est avec la chance et la disparition du corps des petits insectes. Hein? Corps. Un peu rapide, marche plus doucement, machin et tout. Planisme. Merde, ça c'est ce que je... Là, ça a aucun bonus. En vrai, celui-là, parce que ça aura une meilleure défense sur plusieurs éléments. Voilà, le palico, on peut lui mettre quelque chose? Oui, on peut faire des choses avec. Bon, avec quoi on va l'équiper? Du contendant, du tranchant, non? Pour avoir le truc du Pouki. Malgré sa conception fantaisiste, cet arc ne tire pas de flèche. Il y a uniquement à frapper, à cogner. Oh. Oh mon dieu. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Le palico tape avec ça. Ah, moi j'ai ça. Là, j'ai une plus grande distance. Là. Non, la meilleure, ça serait là pour le poison. La tenue pour le disco, elle est goldée. Allez, craquons le tout. On va craquer le slip. On met le micro. Bon, on tombera plus de cristaux de lumière. Et on va te mettre en pimp. Voilà. Bon.
C'est pas encore ça, mais c'est déjà un début. Maintenant, j'aimerais trouver des cristaux de terre pour améliorer mon arme. Et ce clipping est dégueulasse! Festival des viandes, c'est parti! Merci pour le bonus! Te voilà. Bonjour! La mission d'escorte, comme ça on amène les érudits dans le désert! C'est parti! Mission. Bonne escorte! Non. Ah. Bonne escorte. Voilà! Bon. Il ne reste plus qu'à décoller. Voir si j'ai rien à prendre dans le coffre. Inventaire. Alors attends, si. Restockage. Voilà. Mon dragon, on range. Champi paralysie. On range. Champi vénéneux, on range. Ça, on range. Ça, on range. J'en ai pas besoin pour le moment. Ça, on range. Tac. Voilà, on met tout ça là, c'est bon, c'est validé, on peut décoller, c'est parti, let's go! Oula, Bruce a l'air choqué. Ah non, Milo a l'air choqué. Je lisais pas les bonnes phrases. Que se passe-t-il, Milo ? Une chose est sûre, cet environnement n'a absolument rien à voir avec la forêt ancienne. Effectivement, le désert des termites est un mélange de marécages et de zones sèches. Cette région abrite donc tout naturellement un écosystème unique en son genre. Ça y ressemble, je crois que j'ai vérifié et je suis pas sûr que ce soit elle. Faut que je vérifie de nouveau pour être sûr, mais... Oui, il y a une forte ressemblance entre sa voix et celle d'Evangeline. Hey, regardez, une cascade. Mais elle n'a pas l'air d'avoir le même timbre de voix, elle a l'air plus aiguë qu'Evangeline. Vers les zones en contrebas pour former un bourbier. Ce machin pèse une tonne. Allô, allô, chère petite. Vas-y, continue de pousser, moi j'escorte. Le chat et moi on vous regarde. Oh. Oh. Regardez cet insecte. On dirait une sorte de scarabée, non? La faune de cette région est coriace. Elle s'est parfaitement adaptée au climat sec qui règne ici. Même la flore a dû s'adapter pour survivre. Ces fruits, par exemple, leur coque épaisse conserve l'humidité. L'assistant avec son masque, sa voix, elle me vend du rêve à chaque fois. Le... Parfait. Oh, quel soulagement. Nous y voilà enfin. Pouvons-nous faire une pause maintenant ? Non, pas encore. Regardez, c'est là que nous attend ce que nous cherchons.
Oui, nous on va aller vers les cailloux. Il nous reste encore du chemin à parcourir. Bon, on continue. Allez-y, poussez, je vous regarde. Tout compte fait, la descente est peut-être pire que la montée. Ouais, je sais que c'est elle qui fait Siri, mais tu vois, j'étais pas... Elles ont un timbre de voix qui est proche, mais c'est pas la même. C'est vrai que ça me surprenait, mais... La doubleuse qui fait Evangeline, elle a un côté plus grave dans la voix. Vous avez entendu ça ? Oui. Pas de panique, restons sur nos gardes. Tu veux bien aller voir ce que c'était ? Ouais. T'inquiète. Y'a aucun danger. Hello. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans ce genre de situation, il est important de garder son calme et de prendre ses jambes à son cou. Allez, vite, il ne faut pas rester planté là. Tu devrais pouvoir faire du bruit avec ta fronde pour détourner son attention. Pas vu. Allez, la la allez, la allez. La. Sauf qui peut. Alors, l'assistante, elle a fait la voix de Jinx. Oh putain. Mais elle pourrait fournir des données précieuses à la commission. Tu ne pourrais pas nous obtenir un échantillon ? Plus tard. On verra plus tard les échantillons de Raciana. Moi, on va au caillou. Regardez les capsules de feu. Allez, venez les gars, on y est presque. Le Zora Magdaros est encore plus énorme que ce que nous imaginions. Oui. Oh bah tu sais, il a sauvé le bateau alors. Indubitablement toutes les données qu'a pu consigner la guilde dans ses écrits. Je me demande combien d'années il faut à une telle créature pour atteindre une taille aussi imposante. Et bien, c'est qu'ils te donnent pas l'impression qu'ils ont peur de quelque chose. Oh, regardez, des Apteros. Des herbivores originaires de la région. Mais pourquoi se mettent-ils à courir? Ils ont l'air apeurés. Vous voyez, lorsque les Apteros se sentent menacés, ils adoptent une posture défensive. Je ne sais pas si cette défense. Mais ça pourrait s'avérer dangereux pour nous aussi. Restons prudents. Enfin. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Ah, bien, encore un petit effort. Regardez-moi ça. Magnifique. Il est tout bonnement énorme. Quel formidable spécimen. On y est presque. Diner. Bam. L'étonfacte est juste là. Beau travail, chasseuse. Et tout se sera passé sans accro, c'est parfait. Voyons un peu quel genre de cadeau le Zora Magdaros nous a laissé. Là, regardez, un autre vestige. Vite, allez.
T'es calme. Beaucoup trop calme. Ah ouais. Ça paraissait trop simple. Allez-y, je m'en occupe. Wouah. Eye shot. Bon. Barrez-vous. Occupe de lui. J'ai pas l'habitude de me servir de ça. Quand tu utilises pas tes armes, c'est tout de suite plus compliqué les combats. Aïe, mes oreilles. Puis là. Ah, t'es. C'est quand même moins facile qu'avec le katana. Allez. Ah putain, mais c'est pas vrai. Et tu vas... Voilà. Reste couché, sale bête. Voilà. Explosion. Ah, t'es pas content? Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, joli. Oh, 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 le coup de bol. Oh, ce coup de bol. Et Bruce, faut arrêter. Non, là, au bout d'un moment, quand même. Non, mais non. Oh, joli caillou. Des écofacts. Oh, joli caillou. Joli caillou, voilà. Ah là là, je vous jure. Ah, il nous a lâchement abandonné l'autre, dis donc. Il n'est même pas fini de m'en occuper.
Reviens là, j'ai encore des trucs à te couper. Et des choses à te casser. Oh mon dieu, cette créature était vide de l'intérieur. J'ai vu des choses que je n'étais pas prêt à voir. Oh, elle est jolie. Allez, un genou en moins. Oh, joli. Raté. Aouh. Vas-y Yati, occupe-toi-en, j'arrive, je me soigne juste. Tant que tu me les briseras, moi je te les briserai aussi, tu vas voir. Capsule gluante. Tu peux utiliser cette capsule avec ta fronde. Attaque là où elle s'accroche pour infliger des dégâts contondants. Reviens là ! Et Brigitte ! Attends, t'as appelé le baron Brigitte ? Oui. Ok, pourquoi pas. Il a... Ah, là. Derrière toi. Hop là, le petit hit qui va bien au passage. Ah ouf, c'est ce que je voulais éviter. Ah mais c'est bon, on est tous dedans. C'est bon, tout va bien. On gère la situation, on est tous dedans. C'est parfait. Un gros coup dans le talon, je pense qu'il a pas aimé celui-là. Bah, génial. Personne t'a autorisé à trouver dans la boue. Pas touché, mais pas assez. Les attaques vont avoir de vrais impacts. Oh, arrête-toi là. Voilà. C'est bien passé.
Ça n'a pas été compliqué. Ça a été plus simple que le Pookie. Voilà, voilà. Tout est bien qui finit bien. Plus besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Ah voilà! Voilà, 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 voilà! Voilà, on en profite, on met la carte à jour. C'est parfait! C'est la carte, c'est parfait! Et on va pouvoir rentrer à la maison et je pense mettre un terme à cette. Épisode et à ce live par la même occasion. J'avoue que je sais pas combien de temps du coup il aura duré cette troisième partie. Mais bon, espérons que vous êtes au moins passé de la soirée diapo chez mamie à la soirée vidéo chez mamie. Et la qualité du caillou était dégueulasse. Contente de te revoir. Oh, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un endroit où les érudits sont à l'abri. Oh bah s'ils sont à l'abri c'est le plus important. Je crois que je vais aller les chercher. On se retrouve au camp. Oh. Dis-moi, tu fais partie de la cinquième flotte. Ainsi, une nouvelle traversée a commencé. Les années passent si vite que je ne peux les compter. Un elfe ? Je suis chasseur, moi aussi. De la première flotte. Accepterais-tu de... me raconter ton histoire. Alors, tout a commencé quand j'ai décidé de venir ici. Je me suis fait attaquer en bateau, j'ai été soulevé par un énorme monstre de roches et de lave, et on a fini par atterrir n'importe où. Alors, mes vieux amis vont bien, tant mieux. Et il semble que les érudits soient toujours aussi incorrigibles. Non, sérieusement, tu parles d'érudits. Permets-moi de te demander, traques-tu ce monstre qui a laissé choir cette roche volcanique? Non, le fait qu'on soit en train de chercher les cailloux, ça n'a pas donné d'infos. En suivant sa piste, nous arriverons peut-être à découvrir la vérité. Bien, ce fut un plaisir. Mon camp se trouve non loin d'ici. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Toi et tes amis. Au fait, dis au commandant de ne pas s'inquiéter. Je vais bien. Ok. Une force me pousse à aller de l'avant et je compte bien voir où elle me mènera. Si la même flamme te guide, nos chemins se croiseront de nouveau à la fin de tout ceci. J'espère avant quand même, parce que je sais pas combien de temps va durer le voyage, mais j'espère que ce sera pas trop long. Je suis pas assez payé pour ces conneries. Est-ce que c'était... Oui, c'était un elfe. Il avait des dreads, des cheveux sales, et en plus des longues oreilles. Imagine pas l'odeur le temps de la discussion. Beau travail, les érudits ont pu accomplir leur tâche et revenir sains et saufs, merci à toi. Grâce aux efforts de la cinquième, les écofacts ont été prélevés aux quatre coins du continent. Nos chercheurs pensent pouvoir très bientôt localiser le Zora Magdaros avec précision. En attendant, l'un d'entre eux a apparemment été séparé de son escorte. Je veux que la cinquième le retrouve et assure sa sécurité. Il a été perdu de vue par son escorte lorsqu'il recueillit des indices dans le désert des termites. Sauf qu'on a croisé personne sur la route. Immédiatement au désert des termites. Non, mais je pense que votre gars, il est mort. Hein. J'ai pas le choix, c'est ça. Bon, et bah, puisque c'est comme ça, hein, on ira s'occuper de ça dans le prochain épisode. Voilà. Bon. Pour que ça me fasse une indication visuelle, je vais mettre fin dans ma tête à la rediff ici. Donc, merci d'avoir suivi ces trois parties. J'espère que ça s'est un peu amélioré. Je vais faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes pour la suite, que je puisse faire des records corrects, qu'on puisse tout faire en même temps et que ça ne bouffe pas tout.
Donc en tout cas pour nous c'était ce tout premier live sur Monster Hunter World dans la préparation de la sortie d'Iceborne pour cet hiver. Donc je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!